Yo les gars, c'est Nixos, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Black Ops 3. En jeu d'armes les gars, mais c'est un jeu d'armes, c'est pas un jeu d'armes particulier, c'est un jeu d'armes... Enfin, c'est un jeu d'armes pas normal, enfin, on va dire c'est un jeu d'armes spécial, voilà. C'est un jeu d'armes très spécial parce que c'est un jeu d'armes avec les armes du marché noir les gars. Les armes du marché noir, regardez là je vais faire un petit enchaînement. C'est pas un gameplay en live, hein. C'est un gameplay que là j'ai pris mode studio. Puisqu'en fait je pouvais pas enregistrer en live tout simplement puisque en fait, enfin en live, j'ai essayé d'enregistrer quand j'étais en train de jouer mais je pouvais pas. Genre en fait j'enregistrais mais à chaque fois j'ai fail. Alors là c'est la sixième fois que j'enregistre. J'espère que cette fois-ci ça va pas fail. Parce que honnêtement ça commence à m'énerver. Et en fait c'est un gameplay que j'ai. C'était ma première partie en jeu d'armes, c'est la première fois que j'étais en train de découvrir. Et en fait, vous voyez les armes du marché noir en jeu d'armes, franchement, c'est un truc tellement bien, parce que moi j'adore le jeu d'armes sur Black Ops 3. Alors, en plus, il y a les armes du marché noir, franchement, ça me fait hyper plaisir. Et les gars, franchement, si vous avez Black Ops 3, je vous conseille d'y jouer, parce que ça dure juste un week-end. Je pense que c'est juste pendant ce week-end-là. Bon les gars, pour revenir au sujet de la vidéo, parce que enfin il n'y a pas de sujet de la vidéo, mais je vais vous parler d'une absence d'abord, parce que oui j'ai été absent. Là je fais du 11-5 les gars, premier de la game. En fait j'étais absent parce que justement j'avais pas la motivation de faire des vidéos, enfin ça m'énerve, j'avais pas la motivation. Là normalement je vais essayer de reprendre la vidéo avec le jeu d'armes là sur Black Ops 3. J'aurai un opening de 20 caisses les gars à vous présenter aussi, et aussi un opening de 10 caisses. Que je vais faire très prochainement, que j'ai pas fait encore. Je vais faire un opening de 10 caisses sur Rocket League. Alors je pense qu'il y aurait deux vidéos d'affilée sur Rocket League. Ouais les gars. Pour venir au sujet de la vidéo un peu. Je voulais vous dire, je voulais parler un peu du nouveau Call of Duty qui va sortir les gars. Je sais pas si vous avez regardé les réseaux sociaux tout ça. C'est World War 2, Call of Duty World War 2. C'est à dire Call of Duty, c'est la seconde guerre mondiale. Et franchement ça a l'air d'un Call of Duty très très bien, parce que dans le trailer en fait il dit, dans le trailer on peut très bien voir qu'il y a un tank, qu'il y a des lance-flammes, qu'il y a des anciennes armes de la seconde guerre mondiale, qu'il y a des équipements de la seconde guerre mondiale. Et franchement ça c'est nice. Enfin moi franchement c'est pas que j'aime pas et tout, mais en fait ça va me faire bizarre d'y jouer, parce que moi je suis plutôt de la génération de Black Ops 1 et Black Ops 2, c'est à dire une génération assez moderne. Assez moderne dans les Call of Duty, parce qu'il y en a qui sont vraiment génération Call of Duty 2, les premiers Call of Duty très anciens, tout ça. Alors là franchement faire un retour aux sources, parce qu'on a fait que du futuriste, un peu de ressources, ça va faire plaisir les gars. Et les gars, on approche bientôt à la fin de la game. Je vous parlais un peu du multiplayer de Black Ops 3, de World War 3, les gars, World War 2 pardon. En fait c'est un multiplayer de 48 joueurs, les gars, 48 joueurs c'est énorme. Parce que là on a que des 12 joueurs, on a 12 joueurs sur Call of Duty là, on a juste eu 12 joueurs contre des 6 contre 6 à chaque fois. Du coup franchement du 48 joueurs, 24 contre 24, je pense que ça va être des combats énormes les gars. Enfin c'est des rumeurs, hein, mais je pense que ça va être des combats énormes, je pense que les maps seront assez grandes. Et franchement après ce que j'ai entendu les gars, bah en fait j'ai pas beaucoup d'informations. Et après on a aussi une image du zombie de World War 2 que je vous mettrai sûrement à l'écran. Les gars je peux pas mettre le trailer moi, puisque je vous mettrai sûrement en description, puisque si je le mets dans la vidéo il y a des droits d'auteur etc. Et franchement ça pourrait me bannir ma vidéo tout ça. Enfin bref, je vous mettrai le lien du trailer en description. Et franchement World War 2 le zombie là, pour l'instant on a qu'une seule image. Voilà on a gagné. Pour l'instant on a qu'une seule image les gars. Sur World War 2, on a qu'une seule image du zombie. Après on a eu un trailer officiel de la campagne, c'est-à-dire du multiplayer, on sait pas encore. Le trailer du multiplayer il sera annoncé à l'E3, c'est-à-dire un mois et on doit attendre encore un mois et demi les gars. À l'E3 il sera officiellement annoncé. Et franchement ça c'est nice. Ça c'est vraiment nice les gars. Qu'il va annoncer un trailer de World War 2 dans un mois et demi. Et pour ceux qui veulent précommander World War 2 les gars, sachez-le qu'il y a une bêta privée de World War 2, une bêta privée, c'est-à-dire une bêta tout simplement. Une bêta privée, c'est-à-dire par exemple si je sais pas, il y a quelqu'un qui précommande le jeu, et ben il aurait accès au jeu, enfin il aurait accès à la bêta
et elle aurait accès à la bêta qui serait privée. Parce que par exemple, les joueurs comme nous, pas, enfin, les joueurs comme nous, quand je dis par exemple, ils vont acheter, par exemple, moi personnellement, je pense que je vais acheter le jeu dès qu'il est sorti. Enfin, je pense pas que je vais le précommander, mais pour les, c'est-à-dire pour les gens qui vont acheter des jeux dès que le jeu est sorti, et ben en fait, il y aurait pas de, on n'aurait pas de bêta, enfin, même avant. Enfin, quand, je sais pas comment dire. Par exemple, avant, s'il y en a qui veulent jouer à la bêta avant pour voir ce que ça donnait tout, World War 2, eh ben, on n'aurait pas le droit. C'est juste pour ceux qui l'ont précommandé. Alors, franchement, si vous voulez le précommander, allez-y, mais voilà quoi. Bref, les gars, voilà. Enfin, j'ai essayé de faire une vidéo rapide et courte. Je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Parce que, voilà. Enfin, voilà, après, ce serait trop long pour voir, regarder. Les gars, j'avais aussi pas mal de sujets de vidéos à faire en tête, de l'urbex, c'est-à-dire de l'urban exploration, des explorations quoi, de les abandonner, tout ça. Dites-moi si cela vous ferait plaisir. Écrivez-moi en commentaire, les gars. Aussi, les gars, je pourrais aussi faire des vidéos genre des top 5, tout ça. Par exemple, je sais pas moi, top 5 des meilleurs Call of Duty. En fait, je vais essayer de faire pas mal de vidéos en fait dans le gaming. Enfin, mais des variants de gaming, par exemple, des top 5 sur le gaming, des top 5 des meilleurs jeux, des top 5 de, je sais pas, des meilleures manettes, des top 5 des jeux les plus rentables, enfin voilà quoi. Enfin, dites-moi si cela vous ferait plaisir dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin, n'hésitez pas à écrire un commentaire pour vraiment me dire si vous voudrez un top 5 ou des vidéos exploration. Du coup, bon les gars, je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. Ouais les gars, ouais, je pense que ouais, cette vidéo va toucher à sa fin parce que sinon ça va être trop long. Les gars, n'hésitez pas à liker. Parce que le like, les gars, c'est la récompense. Peut-être je le demande trop, mais franchement, c'est la récompense, les gars. Le like, c'est vraiment la récompense. C'est ce qui m'aiderait à c'est ce qui me ferait plaisir et ce qui m'aiderait à monter sur YouTube en plus. Mais surtout, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. L'abonnement, c'est important parce que plus j'aurai d'abonnés et plus je pourrai monter sur YouTube. Et honnêtement, maintenant, monter sur YouTube en 2017, franchement, ça devient très dur. Alors c'est pour ça que les gars, en plus, surtout avec le gaming, parce que le gaming maintenant en 2017, c'est plus trop le truc trop vraiment trop apprécié. Enfin, ça dépend du gaming. Par exemple, moi, je voulais proposer que du Call of Duty. Les gars aussi, ah oui, dites-moi en commentaire si aussi les gars, ça vous plairait que je fasse des jeux d'horreur avec ma réaction et tout en live. Si vous voudrez, je pourrais même faire une facecam. Dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une facecam avec les jeux d'horreur, tout ça. Franchement, je pense que ça pourrait faire cool, honnêtement. Je pense que ça pourrait faire cool. Alors, franchement, les gars, j'espère que vous allez bien, les gars. Enfin, j'espère que vous allez bien. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Bon, les gars, j'espère que vous likerez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Likez, les gars. Abonnez-vous, voilà quoi, c'est. Franchement, si vous faites ça m'aidera à monter sur YouTube et ça me ferait hyper plaisir, les gars. Bon, les gars, bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, les gars, et moi je vous dis ciao!